Salut à tous, c'est Fermier du 59, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la map La Charentaise pour l'épisode 2 de notre carrière suivie, et donc aujourd'hui on va semer les betteraves, voilà. Donc bah, normalement on devait pas semer les betteraves, on devait semer les patates, et bah, enfin les pommes de terre quoi. Et mais j'ai vu un mode qui était sorti qui était pas mal. Et ce petit semoir de 6 mètres en aucune. Franchement il est pas mal du tout, du coup je me suis dit pourquoi pas semer des betteraves aujourd'hui. De toute façon on fera des pommes de terre dans les prochains épisodes. Voilà. Donc bah, avant de commencer, je vais vous présenter un peu le matériel. Donc ici la fourche MX avec le chargeur MX dessus là. Le plateau Josquin avec les big bags et dessus, donc ça c'est les sacs de semences. Je vais vous montrer tout ça. Okay. Alors on pourra pas les montrer ici. Ah, c'est ça, voilà, c'est ça. C'est des sacs comme ça, donc on met 2000 litres dedans, donc c'est des sacs de semences. Et franchement, je trouvais ça pas mal de remplir le semoir devant l'entonnoir comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, et moi en tout cas, je pensais que c'était pas mal. Voilà. Ensuite, là, le réservoir Kuhn hein, qui va avec le semoir, donc c'est un mode aussi, hein, avec le tuyau qui passe là, ici. Hop. Et là le Fend 815 Vario TMS, franchement il est super bien fait. Hop. Je vous montre un peu l'intérieur. Déjà quand on sort il y a le volant, je sais pas si vous voyez, il bouge, il se remet à sa place. Voilà. Okay. Franchement l'intérieur, quand on l'allume, voilà. On peut ouvrir tout, on peut ouvrir les carreaux sur le côté, en haut, en bas. Enfin, pas en bas, mais le carreau de derrière. Puis voilà, hein, devant, tout est fonctionnel. Les pédales, la manette. Tac. Voilà. Et donc ici, le Fend Vario 930 TMS aussi. Hein, avec devant un petit décompacteur Wibo qui fait 6 mètres. Voilà. Et la herse rotative Alpego qui doit faire 6 mètres aussi. Voilà. Donc je vais un peu vous montrer l'intérieur. Okay. Voilà. Hop, on va allumer tout ça. Okay. Donc voilà un peu l'intérieur. Hein. Franchement, il est bien fait. Et
Ouais, franchement, pas mal du tout. Donc on va... Ouais, il est déjà allumé, c'est bon. Donc voilà, on va préparer les terres avant, un petit peu, avant de semer les betteraves. Donc je vais finir un peu tout ça, j'avais déjà commencé. Il me reste cette petite partie-là et une partie au fond. Donc on met tout ça en route. Tac. Donc le fend, je l'ai pris en blanc parce que je trouvais qu'il était pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi je pensais qu'il était pas mal. Donc il fait un beau bruit le fend là. Je sais pas si vous entendez. En tout cas, moi je le trouve super joli. Hop, par contre j'ai oublié un bout. Tac. Voilà. Donc voilà, j'espère que les amis, vous allez très bien. Moi, franchement, ça va super. Comme d'hab. Hop. Okay. Alors, on laisse tout ça. Voilà. Ok. Hop. Tac. Et voilà. Donc bah, les modes ils seront en description hein, comme à chaque fois. Là, je vais encore laisser un peu passer à côté. Le fend il braque un peu sur la gauche, il tendance à partir un peu sur la gauche, donc c'est pour ça. Tac. Un peu une vue extérieure. Hop. Je ferai un petit accéléré là-bas quand je finirai la fin du champ là-bas. J'ai pas encore fini. Tac. Et après on ira commencer à semer les betteraves. Hop. J'ai déjà commencé à ranger aussi le théa, mais je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Je vous ferai dans l'introduction, je vous ferai un petit montage où je présenterai un peu. Je vous montrerai un peu tout le matériel que j'ai acheté. Hop. Donc bah, vous avez été nombreux à regarder l'épisode 1 sur la récolte du tournesol. Donc franchement ça fait super plaisir. N'hésitez pas à vous liker et à vous abonner. Ça me ferait super plaisir aussi. Tac. J'espère que ce petit épisode sur la plantation des betteraves vous plaira également. Donc bah, naturellement dans l'épisode 3 ce sera la récolte des betteraves. Hop. Et voilà. Okay. Et tout ça. Hop et là. Ok. Allez, je vais vous faire une vue d'intérieur. Tout qui fonctionne aussi dessus. On peut même ouvrir les carreaux, je crois. On va essayer. Ah non, là c'est sur la herse. Ok. Ah, c'est long. Ah, il faudrait peut-être. Ouais. Il faudrait que je le décroche, je vous montrerai tout ça plus tard. En tout cas,
est super joli, je le prends en blanc comme je l'ai dit, hein, parce que je trouvais pas mal. Hop. Alors, il me restait tout ça à faire. Ouais, donc je vais vous faire un petit accéléré. Tac. Voilà. Et on se retrouve juste après, les amis. Bah les amis, on se retrouve juste après ce petit accéléré. J'espère qu'il vous aura plu. Donc bah j'ai encore une petite bande à faire avec vous. Et après on ira ranger tout ça. Enfin on ira l'entreposer à la Cuma. Hop. Donc heureusement que j'ai pris Grofen hein, parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait un peu de mal. Enfin autant de mal à le tirer parce que bon après c'est vrai qu'il fait quand même 6 mètres hein, le décompacteur à l'avant là. Hop voilà on replie tout ça et c'est bon tac voilà donc je vais passer l'or hein. Tant pis c'est pas trop grave j'ai pas encore semé hop. Donc, on va tourner. Tac. Pour l'instant, je vais le laisser là. Hop, voilà. Je vous montrerai après un peu. Dans la prochaine vidéo, je vous ferai un plan dans l'introduction de tout le matos que j'ai acheté. Hop, voilà. Je décroche le mauvais truc. Ouais, tout le matériel que j'ai acheté. Comme ça. Comme ça vous pourrez un petit peu voir dans l'introduction un peu avec quel matériel on va se servir dans cette carrière suivie. Hop, hop, de toute façon je vous présenterai un petit peu le matériel. Hop, bon, je prends les sachets. Tac. Jamais testé donc je sais pas si ça marche. J'aurais peut-être dû prendre une petite masse. J'aime bien parce que bon, il est pas très très gros. Hop, bon, il s'est défait. Tac. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, c'est peut-être monter dans l'autre tracteur.
Hop. Mince. On est dans le bon. C'est repos. Tac. Ah ok, ça remplit comme ça. D'accord. Ah, je pensais qu'il y avait une petite animation en dessous du truc. Bon, c'est pas grave, hein. Enfin, j'aurais quand même bien aimé avoir hop. Ah, le réservoir devant est plein. Ok. Le réservoir devant est plein. Donc normalement je dois le mettre là dans le petit truc. Oh là. Je sais pas comment je vais m'y prendre. Attendez, tac. Hop. On va monter. Comme ça. Je mets en route le fend. Et je vais retirer. Normalement c'est pas ça. Pourquoi il veut pas me le mettre? Ah ok, d'accord. Remplir machine en semée. Bon, c'est pas très très réaliste. Et bon, après. Voilà, donc 2000, j'en aurai assez. Tac. Je pensais que ouais, ça, il y avait un trou au sac et que ça allait vider comme les sachets carrés, les espèces de gros sacs carrés de base du jeu. Mais non, ça ne le fait pas. Mais bon, au moins ça change un petit peu. Tac. Oh, je te ramène une lanière. Je baisse la fourche. Hop, voilà. Donc, ah, le fend est allumé, c'est bon. Tac. Et c'est parti, les amis. Hop, on va essayer un petit peu semer des betteraves. Ça descend pas trop vite. Alors, ouais, c'est vrai qu'il faut que j'abaisse le truc. Peut-être que là on roule sur. Je sais pas. Pourquoi ça veut pas semer? Peu bizarre tout ça. C'est un peu bizarre. Pourquoi ça ne veut pas sonner? Tac. Bon. Hop. Je vais reprendre l'eau. Là, ça sème bien. Je suis d'accord. Ouais. Et après, là. Oh, bah non. C'est peut-être un bug. Je sais pas. Ah non, regardez là, là ça me met plus. Moi je vais aller jusqu'au bout du champ, puis on verra. Tac. Ouais. Ah, ça alors. Tiens, c'est un peu bizarre ça. On peut pas se mettre tout le champ. Tiens alors. Tac. Bon bah c'est pas grave, on va aller à l'autre bout du champ. Je vais faire un carré. Hop. Et côté là, je les sèmerai à la fin. Peut-être qu'il faut s'y prendre dans l'autre sens. Je sais pas. Je sais pas du tout. Là ça a l'air de bien semer. Donc je sais pas. Hop. En tout cas c'est un peu bizarre. J'ai pas trop de chance encore une fois sur ce coup-là. Et bon, c'est un peu les aléas du direct, on va dire. Tac. Hop, le réservoir, je la baisse. Et toi aussi. Tac. Donc, à tous les coups, il va pas me semer le milieu. Ah, tiens,
Là, si, Molsheim. Bon, bah, je sais pas c'était quoi, là. Je sais pas du tout. En tout cas, les amis, on est parti pour semer les betteraves. Tac. Donc, je vais pas tout faire avec vous, hein. Je vais un peu juste. C'était juste pour vous montrer, hein. Tac. Hop. Je laisse tout ça. Hop. Tac. Voilà. Bon, je vais faire un peu comme ça, c'est pas trop grave. Tac. Alors j'ai un peu une drôle façon de semer parce que je fais pas les côtés, mais je sème tout le temps comme ça. Alors je sais pas pourquoi. Sur farming j'ai toujours fait comme ça. Hop. Alors il va pas encore me semer le milieu à tous les coups. Si. Ah bah tant mieux. Bah je sais pas qu'est-ce qui s'était passé là. Hop. Donc moi je vais faire un peu une vue d'intérieur du fend. Franchement, il est encore mieux fait que le jaune d'air, je trouve. Bien évidemment, il sera en description avec le 6230 que je vous ai même pas présenté, tiens. Hop, j'ai oublié. Le 6230, donc le jaune d'air avec qui est attaché sur le plateau, voilà. Hop. Donc ouais, franchement il y a là-dessus dans la cabine tout est fonctionnel. Franchement elle est super bien, il est super bien fait l'intérieur. La manette là qui bouge, l'accélérateur, tous les pédales, là quand je freine, les clignotants, voilà, je crois. Il y a même le voyant quand on met les gyrophares. Et les gyrophares, on peut même les plier. Regardez, là, je peux les plier. Hop. C'est juste pour vous montrer. Tac. Et aussi le semoir, hein, le réservoir devant, c'est celui du base du jeu. Mais le semoir derrière, c'est un semoir en mode. Le plateau Josquin aussi, donc bien évidemment, comme je vous ai dit, tout sera en description. Le fen de 930 blanc TMS, là. Le petit décompacteur à l'avant et la petite herse rotative, pareil, tout sera en description. Hop. Donc je me répète sûrement, mais. Et comme ça, pour ceux qui n'avaient pas entendu, tout sera en description lors de la publication de la vidéo. Voilà. Hop. Donc, bah, je vais encore faire un aller avec vous. Et après, on fera une petite ellipse. Puis on arrêtera là, les amis. Je pense. Bon, non, je vais en faire encore 2-3 avec vous de bande, tac. Après c'est pas trop intéressant hein, de semer, c'est plus intéressant de. J'avais même pas fait gaffe, j'avais même pas mis les traceurs. Hop, là, comme ça fait un peu mieux, je trouve. Alors c'est pas droit. J'aime pas droit, mais bon, c'est pas grave. Hop. Et donc, le haut programme du prochain épisode, ce sera bien sûr la récolte des betteraves sucrières. Donc bien sûr, je vais pulvériser en hors vidéo, hein, je traiterai
le champ. J'ai trouvé des modes bien sympathiques pour la récolte du... Mince. J'ai trompé de touche. Tac, tiens. Je vous ai dit que j'ai trouvé des modes bien sympathiques pour la récolte des betteraves sucrières. Vous montrerai tout ça dans le prochain épisode. Tac, tiens. L'effeuilleuse que j'ai trouvée, hein, donc c'est-à-dire la machine devant qui effeuille les feuilles de betterave avec la petite plaque qu'on voit agricole, franchement super jolie, fonctionnelle et tout, donc franchement super sympathique. Donc je vous présenterai tout ça avec plus de détails, hein, lors des prochaines vidéos. Donc j'ai vu que vous avez été nombreux à aimer la petite carrière suivie sur le petit caillou. Là depuis, ça fait 2 semaines je crois que j'ai fini cette carrière et il y a encore pas mal de vues. Donc ça me ferait très très plaisir. Hop. Surtout, comme à chaque fois que je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout activer la cloche des notifications pour ne pas être en retard, j'ai envie de dire, ou pour être tout le temps connecté à ma chaîne pour ne pas rater le moindre épisode. Surtout, n'hésitez pas. Hop. Comme à chaque fois, ça me fait super plaisir. Tiens. Donc bah, je vais encore faire avec vous une bande, puis après je ferai une petite ellipse. Tac. Franchement, je le trouve super super sympathique ce petit semoir. Il fait quand même 6 mètres, donc c'est déjà pas mal. Avec le petit tuyau là qui ressort à côté. Je vous ai pas présenté aussi, hein, les petits écrans là au-dessus. Puis on peut ouvrir les carreaux aussi, je vous ai pas dit sur le fend. Le carreau du dessus, les deux portes, le carreau derrière qui est déjà ouvert. Les phares, les warnings, les gyrophares sont bien sûr fonctionnels. C'est pas encore le cas sur tous les modes, hein, parce que vu qu'il y avait pas mal de versions bêta, c'était pas le cas. Hop. Mais là, là sur celui-là, tout est fonctionnel. Là. Voilà. Hop. Je vais faire demi-tour. Donc, les amis, je vous fais une petite ellipse et on se retrouve juste après, une fois que j'aurai tout fini de semer le champ. Pour la fin de la vidéo. Et on se retrouve juste après, les amis. Donc, alors, les amis. Donc, on se retrouve juste après l'ellipse. Donc, comme vous pouvez voir, hein, j'ai fini de... quasiment fini de semer le champ. Donc là, j'ai plus que cette petite partie-là. Tac. Par contre, comme tout à l'heure, hein, ça veut pas semer dans ce sens-là. Donc je pense que je vais devoir faire dans la largeur. Hop. Ouais, ça ne veut pas semer. Enfin, pas tout. Hop. Puis après, on s'arrêtera là pour la vidéo. Tac. Voilà. Hop. Je vais le faire en... Tant pis, je vais le faire en largeur. Par contre, ça bug un peu. À la main. Hop. Et là, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tac. Hop, voilà.
Tiens. Et mine de rien, on a déjà plus de 25 minutes de vidéo. Donc bah après ce sera la fin de la vidéo après que j'ai fini le deux semaines chant. Hop. C'est un peu bête que je dois le semer comme ça, mais bon. J'ai pas trop le choix, on va dire. D'accord, regardez, ça sème pas, même pas tout. Bon, c'est pas grave. C'est la bordure de champ, donc c'est pas grave. Hop. Tac. Hop, voilà. Tac, voilà. Donc, bah, je vais ramener tout ça à la cuma et puis on va s'arrêter là, les amis. Hop. Oh là. Pas que j'aille trop vite non plus. Tac. Et voilà. Donc, je vais ranger, enfin, je vais mettre tout ça comme ça. Tac, et voilà. Hop, voilà. Donc, bah, les amis, c'est déjà la fin de la vidéo hein, sur le semis de betterave. Donc, on se retrouve très prochainement pour le nouvel épisode sur la carrière. Sur la map Charentaise pour la récolte des betteraves. Et moi, je vous dis à très bientôt, les amis. Salut!